1, ouh là, il est fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai commencé par le piano en fait, j'ai fait du piano dans une école privée pendant, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça, avec du solfège à côté. J'ai fait un peu de conservatoire pendant 2-3 ans, je crois. J'ai pris des cours de chant conservatoire aussi, ça pendant 7 ans. J'avais un groupe avec donc des membres de ma famille pendant 10 ans, on faisait plus de la reprise. À partir de mes 16 ans, on s'est mis à la compo avec le groupe, on a composé un album ensemble et on s'est arrêté, j'avais 18 ans, on est monté sur Paris, Océane et moi. Et on a monté Tsukio à partir de là. Donc, je suis le mec au fond de la scène qu'on voit presque jamais, qui frappe le plus fort possible pour que les autres devant ils puissent jouer. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes qui ont les bonnes motifs, enfin, où tout le monde tire dans le même sens en même temps, où on a tous la dalle, tous envie d'y arriver. Je pense que ouais, à partir de là, ouais, c'est possible. Pour les paroles, on les fait soit ensemble, soit séparément. Des fois, c'est que lui, des fois, c'est nous deux, des fois, c'est moi. Et par contre, tout ce qui est mise en scène, chorégraphie, gestion des danseuses, tout ça, c'est moi qui gère tout. Donc, ça fait pas mal de boulot. Donc, on a plusieurs points où on se complète avec Simon. C'est assez compliqué de trouver des gens avec qui on s'entend, artistiquement, humainement, où on a les mêmes objectifs, qui sont prêts à s'investir, parce que c'est vrai que c'est de l'investissement, il faut quand même se libérer pratiquement tous les week-ends, faut pouvoir se déplacer, financièrement ça coûte très cher, donc c'est vrai qu'il fallait des gens motivés, et nous comme c'est quelque chose de très important et on veut devenir professionnel, donc on aimerait pouvoir se lever le matin et dire on n'a pas d'autre boulot à côté, on fait ce qu'on aime, on vit de notre musique, on n'a pas de soucis et d'horaires de bureau à respecter, courir après le temps pour faire un concert ou deux. On aimerait vraiment pouvoir développer notre art au maximum parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire par faute de moyens, faute de place pour les scènes, des choses comme ça. Moi, je suis super heureuse parce que au départ, j'étais la seule danseuse à être avec eux, parce qu'on faisait plus des petites scènes. Et enfin, vu que là, on a l'occasion de jouer sur une grande scène, le côté mise en scène qui est voulu depuis le départ commence à prendre de l'ampleur avec l'arrivée de Carole et ensuite d'Astrid. Donc, on a vraiment envie de donner un côté, en plus de la musique visuelle, personnages, tout un univers. Donc, c'est vraiment une sensation géniale en fait de se retrouver avec des musiciens parce qu'il y a une force impressionnante. Et du coup, ça, je sais pas, c'est une sensation vraiment particulière qu'on retrouve pas, nous danseurs, forcément, sur les scènes, puisqu'en général, voilà, on joue rarement avec des orchestres, ça peut arriver, mais des groupes de rock comme ça, avec une intensité aussi forte, c'est vraiment une sensation géniale.
Chacun donne son avis, chacun met les mains à la pâte et c'est ça que je pense qui fait qu'on est très unis et que ça marche aussi, je pense. Et surtout, la danse. Il se trouve que Océane est danseuse à la base, on s'est dit tout simplement, bah, si on essayait de mettre un peu de ton art dans notre musique, donc la danse, et ça a fonctionné. J'adore toutes ces histoires complètement fantastiques, barrées, etc. Et voilà, ça m'arrive de prendre en fait une situation de la vie tous les jours et de l'imaginer dans un contexte un peu fantastique. Jamais je me suis dit, purée, il faut que j'écrive ce texte-là, j'ai envie de parler de ça, donc je vais écrire, quoi. Ça n'est arrivé que sur Fucking Princess, c'est le seul titre où vraiment j'avais quelque chose à dire. Enfin, je vais plus écrire en fonction de ce que je ressens en jouant ce que je joue, quoi, tout simplement. Alors, en gros, ce titre-là, je me suis basé sur les personnes victimes, en fait, victimes des guerres, tout simplement. Et j'ai imaginé en fait une jeune fille qui serait donc victime de la guerre, qui aurait perdu ses parents pendant la guerre, toute sa famille, tous ses amis, et qui en fait décide du jour au lendemain de tenter en fait sa chance dans une grande ville, de devenir en fait une princesse. Voilà. On a des morceaux très pop qui passent partout, et des morceaux très métal, où il faut déjà être un peu plus averti et se dire, bon, voilà, ça peut choquer. Mais après, on aime bien mélanger ça, on aime bien mettre de l'électro, on en a où il y a des musiques qui font un peu country. On aime bien tout mélanger. Donc c'est vrai qu'après, quand on écoute toutes nos compositions, parce qu'on en a un sacré paquet quand même, il y a une unité. On reconnaît la patte du compositeur, on la reconnaît. On reconnaît la patte de l'auteur, tout ça, on reconnaît notre identité. Mais l'univers est très, 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 très large. Il n'y a pas de frontières, on se met aucune frontière, aucune limite. On se dit, on va là où on a envie d'aller. Alors, en gros, il y a plusieurs histoires pour ce nom-là, c'est un peu compliqué. À la base, en fait, c'était pas Tsukiyo, c'était Behind the Gas Moon, en fait, qui voulait dire derrière la face cachée de la lune. Donc le titre était en anglais, ça nous plaisait bien, parce que moi, personnellement, j'avais 16 ans, je commençais à découvrir tous ces nouveaux groupes qui arrivaient sur la scène américaine, qui s'appelait donc 30 Seconds to Mars. Enfin, ils existaient déjà depuis un bout de temps, mais moi je les découvrais. Et 30 Seconds to Mars, Bullet for My Valentine, Bring Me the Horizon, c'était que des noms à rallonge. Et je me suis dit, putain, ça sonne terrible, ça change des trucs courts, genre AC/DC. Voilà, je voulais vraiment un truc plus long. Donc Behind the Ghost Moon, c'était en total rapport en plus avec nos textes, ça se passait souvent sur la Lune, c'était un truc très fantastique. Et il se trouvait que personne retenait Behind the Ghost Moon. Et donc on s'est dit un jour, bah tiens, si on traduisait ce truc-là en japonais, ça donnait rien du tout. Et on est tombé un jour par hasard, complètement par hasard, sur le mot Tsukiyo, qui voulait dire nuit au clair de lune, ce qui rappelait légèrement le premier titre. Un pote m'a dit, bah, moi ça me fait penser à un nom d'actrice de cul japonais. Et je me suis dit, wow, ça va se retenir. Les gens, Tsukiyo, s'ils pensent à une actrice de cul, ça va flasher, les gens vont retenir. Voilà, je me suis tapé une barre là-dessus, on a gardé Tsukiyo. Voilà, tout simplement. Il est différent parce que c'est des gens d'univers complètement différents qui se retrouvent. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans ce groupe, je me définissais comme un bassiste de funk à 100%. J'avais jamais joué au Mediator avant de rentrer dans ce groupe. Et c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de choses. Et en plus, j'ai un jeu hybride qu'on voit très peu, qui mélange à la fois le doigt, le Mediator et le slap. Le slap qui rajoute quelque chose de très particulier, qui permet de faire des breaks intéressants et de rajouter des parties plus percussives. Voilà, moi, c'est ça que j'apporte mes compositions.
voilà, c'est pas genre, bah tiens, le batteur va jouer exactement ce que je lui donne, c'est pas ça que je veux, je veux vraiment qu'il... Forcément, il va falloir qu'il s'adapte sur ce que moi j'ai fait, puisque c'est moi qui ai composé le truc, mais je veux vraiment qu'il apporte son énergie, son style de jeu, si c'est pas exactement ce que j'ai écrit à la base, je m'en fous, je veux que lui se fasse plaisir, et si lui se fait plaisir, forcément, nous, ça va nous correspondre aussi, quoi, c'est ça le plus important. Je pense principalement à Thibaut, qui a apporté une énergie au groupe qu'on n'avait absolument pas. Toute cette énergie, enfin lui, c'est vrai qu'il vient vraiment du milieu funk, quelques influences disco, des trucs comme ça. Il va me tuer s'il entend disco, mais bref. En gros, il a vraiment réussi à apporter ce groove qu'on peut trouver dans le funk. Nous, on n'avait pas dans notre musique à la base, et ça a fait vraiment un melting pot excellent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve, et apparemment, le public adhère aussi, donc c'est super. Sort mélanger des patterns de batterie très efficaces, des lignes de synthé qui tue, avec à la fois des riffs métal terribles qui jouent sur les demi-tons, des choses très tendues, un peu caractéristiques du métal, et à la fois avoir des couplets où il va y avoir une ligne de basse sautillante. J'ai jamais entendu ça, ou jamais comme nous on le fait, et en ça je pense que c'est novateur. Je sais pas, il n'y a rien à dire, je les aime tous dans leur genre, et c'est ça qui est génial. Je partage des moments vraiment complices avec Nathan. En répète, il y a des passages groove qui étaient censés être métal au départ, vraiment du gros métal. Et Nathan, il a commencé à faire des contretemps sur le charlet. Moi, du coup, j'ai pu me permettre de faire des basses en octave, un peu limite disco. Ça, c'est des moments. Pourtant, Nathan, qui vient du gros rock, du hardcore, tout ça, et ben, ensemble, on arrive à faire groover pas mal de choses, comme sur certains couplets où il y a juste la basse, la batterie. On va s'amuser à jouer au fond du temps, on se regarde, il y a des coups d'œil complices, et c'est ça qui est assez magique.